Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, regardons immédiatement le portefeuille PowerTrade qui perd moins 0,63% au moment où je vous parle. C'est 7178 € qui sont donc évaporés en une journée, hein, les amis, donc par rapport à la veille. Depuis le 1er janvier 2024, il nous reste cependant 1,71% de hausse, hein, par rapport au début de l'année. Et donc, c'est 19 404 € qui sont encore préservés. Les amis, on se bat pour essayer de rester à flot et de rester dans le vert. Et sachez que c'est pas facile, hein, quand on a un portefeuille très investi sur les valeurs françaises. Notre résultat, donc, c'est de 19 404 €, mais nos espèces, cependant, demeurent élevées, hein, puisque nous avons 150 395 € d'espèces, hein, toujours prêtes à faire feu, hein, mais là, pour l'instant, on va plutôt observer ce qu'il se passe sur les marchés, et puis donc, progressivement d'ailleurs, commencer à acheter des mines d'or, des valeurs étrangères. On switch progressivement, hein. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, nous avons beaucoup plus de valeurs étrangères aujourd'hui, mais on peut pas modifier un portefeuille comme ça en 5 minutes. Voilà, progressivement, ce portefeuille va évoluer, mais on va quand même toujours garder, hein, nos stratégies primaires qui sont importantes, hein, qui sont d'investir sur le pétrole. Donc Total Energy restera notre plus grosse ligne, hein, elle représente 49,46% de l'intégralité de notre portefeuille aujourd'hui en termes d'allocation d'actifs. Pernod Ricard, 4,61%, c'est une valeur qui va toujours rester en fond de portefeuille, hein. On a ces deux valeurs là, et je dirais même ces trois valeurs là, avec GTT qui représente 4,26% pour surtout une stratégie dividende. Pour Alphabet, il faut avoir un petit peu de techno. Donc Alphabet, c'est 2,59% de notre portefeuille. Et notre ligne crypto a beaucoup monté dernièrement. Comme vous le savez, les cryptos montent pas mal. Et donc voilà, ça représente 2,32%. Alors que au moment où j'avais investi en crypto, c'était en BNB et en Bitcoin, eh bien, ça représentait même pas 3 000 €. Et vous voyez que là, actuellement, on a 26 780 €. Donc, on conserve aussi nos cryptos. Après, tout le reste, hein, on essaye de se battre, hein, de faire du swing trading. Et bien sûr, on y arrive, hein, on prend des bénéfices de temps en temps. Mais voilà, on gagne 1,71% depuis le début de l'année. Et si on se compare au CAC 40 dividendes réinvestis, lui, il perd moins 0,96%. Donc autant dire, les amis, que nous avons 2,70% environ de mieux que le CAC 40. C'est pas super top, mais c'est quand même déjà bien de rester dans le vert. En tout cas, moi, je suis assez content d'y rester. Voilà, donc pour le portefeuille PowerTrade, nous avons concernant les graphiques, on avait acheté une ligne de Coca-Cola récemment. Eh bien, rappelez-vous, hein, c'est une ligne qu'on avait acheté à 63,28. Eh bien là, c'est un bon achat qu'on a fait, puisque nous sommes à 64,31 $, et sachant qu'on les avait vendus, hein, ces Coca-Cola, à 71,21. On avait fait un joli trade là-dessus. Donc voilà, on a des valeurs qui montent, hein, comme Coca-Cola, DNOASA. On a aussi LVMH, Oréal, on a aussi Dassault System. Les valeurs japonaises comme FANUC Corporation et Mitsui montent aussi aujourd'hui. Google se reprend, Nike monte de 2,86%. Voilà, je ne vais pas vous faire toutes les valeurs, mais on a
STMicroelectronics qui gagne 4,89%. Voilà, donc on a quand même pas mal de valeurs qui se reprennent, qui montent, hein. Mais voilà, c'est surtout Total Energy et puis quelques valeurs comme Tesla qui se remettent à baisser légèrement. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on avait qui baissait assez fortement? On a Dassault Aviation, vous voyez qu'on décroche là sur Dassault Aviation et Nvidia, hein, Nvidia qui a cassé ce trend. Donc voilà, c'est pas bon, hein, les amis, pour Nvidia, mais nous conservons bien sûr notre position sur Nvidia, quoi qu'il arrive. Donc en tout cas, nous on est très investis, comme vous le savez, sur les valeurs pétrolières, et puis on y restera, les amis. On va attendre, hein, tout simplement, l'investiture de Donald Trump avant de remodifier peut-être encore notre portefeuille. En tout cas, pour l'instant, notre portefeuille est condamné à plus ou moins ne pas bouger de trop, hein. Peut-être qu'on pourrait extraire de la performance ici ou là d'une manière très très légère, hein, puisque voilà, on est bien investi, on a pas mal de cash, donc on est dans une configuration d'attente, va-t-on dire, et voilà, on peut pas faire autre chose, parce que voilà, opérer pour opérer, hein, c'est pas une bonne chose, comme on dit dans le métier, ne pas trader, c'est trader, les amis. Alors, ceci étant dit, on va aller voir le site powertrade.fr, hein, les amis. Vous savez que vous avez une rubrique là, ici, articles, une rubrique apprendre avec des vidéos, hein, si vous voulez vous former. Tout ça, c'est gratuit, hein. Les articles qui sont disponibles sur cette plateforme sont entièrement gratuits. Vous avez une douzaine de vidéos minimum avec des cours, hein, que j'ai fait, qui sont disponibles en vidéo sur YouTube. Donc, elles sont toutes regroupées dans cet onglet, hein. Vous pourrez aller les visionner si vous voulez vous former en bourse. Et si vous voulez vous former, il y a aussi des liens en description si vous souhaitez ouvrir des comptes chez Boursorama ou Fortuneo. Nous affichons notre portefeuille ici tous les jours, hein. Vous pouvez aller visualiser ce portefeuille. On a aussi un portefeuille débutant pour ceux qui débutent, mais ceux qui débutent, regardez aussi le portefeuille PowerTrade, car on est là pour vous donner de la pédagogie, les amis. On a un onglet plus-value aussi, et là on a cliqué sur l'onglet plus-value pour vous montrer aussi le tableau des dernières opérations d'achat et de revente, hein. Je vous encourage à aller voir tout ce qu'on a acheté et vendu depuis le début de l'année. C'est quand même 126 641 € qui ont été extraits en termes de performance. Donc vous voyez que voilà, tout simplement, si jamais le pétrole se reprenait, eh bien, évidemment on afficherait des bons résultats dans les valeurs qui sont encore en portefeuille, plus ces gains qui ont déjà été extraits, les amis. Et ça, ce qui a déjà été extrait n'est plus à prendre, hein. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Pour visionner ce qui a été fait, vous pouvez cliquer sur les prix d'achat. Vous cliquez sur le prix d'achat, vous serez redirigé sur le prix d'achat, et vous verrez la vidéo en question sur laquelle j'expliquais pourquoi j'achetais. Si vous cliquez sur le prix de vente, vous serez redirigé sur la vidéo sur laquelle je vendais les titres, en expliquant évidemment pourquoi je vendais. Vous avez les dates d'achat, date de vente, combien on a gagné sur ce trade et en pourcentage combien on a gagné, et vous pouvez visionner ça depuis le début de l'année. Donc c'est très instructif, hein, les amis, parce que ça vous permet de comprendre comment fonctionne le swing trading, et que le swing trading, hein, malgré un portefeuille qui performe peu là cette année, et c'est quand même assez exceptionnel, vous avez beaucoup de plus-value qui ont été prises, et ce qui veut dire que voilà, les positions qui sont en attente, si elles repartaient, ben, on ferait exploser tous les compteurs, les amis. Mais par contre, la bourse, hein, ça demande toujours beaucoup de patience. Nous avons beaucoup de projets à powertrade.fr. Premièrement, nous avons créé un espace premium, et l'espace premium vous permet d'avoir un système de notation. On va pas le voir aujourd'hui parce que voilà, je viens d'arriver en Thaïlande, hein. Je reviens du Japon où j'ai passé 3 semaines. Maintenant, je vais passer 2 semaines en Thaïlande pour me reposer. Mais voilà, si vous voulez vous connecter
vous cliquez sur « Je n'ai pas encore de compte », vous pourrez ainsi accéder à ce site, encore une fois, gratuitement aussi. Par contre, il y a des choses qui seront floutées pour ceux qui ne payent pas, et puis ceux qui veulent tout avoir, eh bien, il suffira de payer 150 euros. Et pour ce faire, hein, vous allez cliquer dans l'onglet « Abonnement » et ce site, hein, là où on ne va pas voir aujourd'hui, mais allez voir les vidéos que j'ai faites dernièrement. Expliqué hein, plusieurs fois, j'en parle, donc allez revoir ces vidéos. Mais là, cet accès premium vous donnera un accès au Discord d'une part, ça vous permettra d'accéder à une mini salle de marché, d'avoir une acquisition de discipline, une assistance du groupe. Vous avez un système de notation que j'ai mis en place dernièrement, il y a déjà pratiquement 2 mois, je crois. Et donc, ce système de notation vous permet de taper le nom de votre valeur et vous avez la note que moi j'attribuerais si je l'avais noté moi-même avec mon système de notation qui tient compte du fondamental et de l'analyse graphique. Donc, c'est un système unique en son genre. Tout ce que je vous propose, hein, les amis, c'est épinglé dans les commentaires. Et l'avantage de ce site premium aussi, c'est de pouvoir évidemment recevoir un t-shirt qu'on vous envoie gratuitement et à nos frais, où que vous soyez dans le monde, et puis aussi des rencontres. Hein, très très bientôt, on va encore organiser des rencontres entre Power Trader Premium. Vous avez des courtages aussi qui sont offerts par Saxo Bank quand vous parrainez. Donc, si vous ouvrez un compte chez Saxo Bank et que vous parrainez, vous pouvez avoir 500 euros de prime de courtage. Et 500 euros de prime de courtage, nous, on vous permet de les avoir puisque on a une liste de parrainage qui vous permettra de pouvoir parrainer quelqu'un si vous ouvrez un compte, car voilà, on a une liste d'attente et puis voilà, on en fait bénéficier tout le monde plutôt que ça soit moi qui me gorge de primes de parrainage, les amis. On est dans le partage hein, à Power Trade et en ce moment, Saxo Bank propose aussi pour le FIOL 250 euros encore donc le FIOL uniquement pour les valeurs américaines et ça fait quand même au total 750 euros d'offert. C'est valable 3 mois ces primes, hein, je vous le signale encore une fois parce que bon, je le dis souvent mais parfois dans certaines vidéos j'oublie de le repréciser. Vous avez donc intérêt à ouvrir un compte chez Saxo, sachant que chez Saxo tout est listé, toutes les valeurs sont listées. Hein. Si vous ouvrez par exemple un PEA chez Saxo, vous pourrez acheter des valeurs norvégiennes, etc., etc. Alors que chez Boursorama et Fortuneo, vous pourrez le faire, mais par téléphone. Et là, en termes de frais, ça va vous coûter bonbon. Et les frais chez Saxo Bank, ils sont de 0,08%. Donc, ils sont parmi les plus bas du marché. Vous avez toutes les valeurs listées. Et vous pouvez, si vous avez un compte qui est supérieur à 100 000 euros, rémunérer vos liquidités et ça c'est super sympa. Donc voilà, cliquez sur l'onglet abonnement pour pouvoir nous rejoindre et donc ensuite cliquez sur le bouton nous rejoindre et puis voilà, vous abonner et ainsi rejoindre la team. J'avais encore 2 vidéos que j'ai pas publiées depuis que j'étais au Japon, donc aujourd'hui je vais vous publier une vidéo hein, qui date d'il y a quelques jours où j'ai été dans un restaurant manger du fugu, extrêmement bon. Le fugu, c'est très très rare, hein. Même les Japonais n'en mangent pas. D'abord, ils n'en mangent pas tous les jours, ça c'est sûr, parce que c'est extrêmement cher. Et puis en plus, c'est dangereux puisque c'est un poisson qui est très venimeux et donc il faut avoir les diplômes nécessaires pour pouvoir cuisiner ce poisson. Et le restaurant où j'ai été est l'un des seuls du Japon où on peut aussi consommer le foie. Alors le foie, c'est la partie la plus venimeuse du poisson. Ça fait environ 1500 fois la dose d'une dose de cyanure. Hein. C'est 1500 fois plus puissant que le cyanure. C'est pour vous dire la dangerosité du truc. Et voilà. Et puis moi, j'ai surtout adoré les testicules de fugu. C'est absolument génial. C'est très, très crémeux, les amis. Je vous laisse sur cette vidéo. Portez-vous bien et à demain.
testicules de fougou. C'est quand même quelque chose.